Pour tout vous dire, en fait, c'est un métier en fait que je trouve très passionnant par la diversité des tâches qu'il propose. Également, en fait, on est confronté à différentes typologies de clientèle. Donc, on peut avoir de la petite entreprise jusqu'à des structures un peu plus importantes. Ça touche à diverses catégories d'actualités, on va dire, ce qui est fiscal, social, comptable, économique et financier. Donc, en fait, on va dire que c'est la richesse qu'offre ce métier qui m'a poussé à prendre cette voie. Alors, j'ai choisi d'être expert comptable pour la variété des missions, des secteurs d'activité que l'on peut rencontrer, la diversité des métiers, et surtout parce que c'est un métier à vie, où on peut choisir de s'orienter plus vers un domaine ou un autre, que ce soit domaine juridique, social, si on a envie de creuser ce point-là, s'orienter vers la création d'entreprise, sur la transmission, plein de possibilités. Donc sur une carrière, je pense que c'est un métier très riche. Ah, parce que c'est une profession très diversifiée. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans un cabinet. Et moi, je voulais évoluer un petit peu au niveau des tâches que je réalisais tous les jours. Donc, la voie de l'expertise comptable, c'était l'aboutissement, en fait, de mon travail en cabinet. Non, j'ai la chance au cabinet d'avoir mon portefeuille et après, je l'organise comme je veux. C'est-à-dire que je fais aussi bien les missions comptables que fiscales, juridiques et sociales. Je touche à tout, comme on dit, dans le dossier. En fait, ça s'est fait en toute franchise par hasard. On m'a parlé d'une opportunité qui était dans la région centre. Pour des raisons familiales, je souhaitais simplement me rapprocher de la famille. Donc j'ai fait ce choix. Donc, j'ai choisi le cabinet dans lequel je suis actuellement, car il présente la particularité pour les collaborateurs de travailler à la fois sur l'expertise comptable et à la fois sur les commissariats aux comptes, qui sont deux métiers qui se complètent très bien. Et également par le fait que le cabinet a une forte dimension de conseil, et je pense que c'est l'avenir du secteur. En faisant une candidature spontanée. Donc le cabinet où j'effectue mon stage actuellement, c'était le cabinet qui m'employait déjà depuis une vingtaine d'années. Donc naturellement, l'expert comptable m'a donné l'autorisation pour faire le stage, être mon maître de stage. Et puis après, plus tard, on verra mon évolution au sein du cabinet. La rémunération reste un élément très important, je ne vous cache pas. Après, certes, je pense que l'aspect humain et l'aspect relationnel avec les collègues a une grande part aussi d'importance. Donc on va dire que c'est et l'ambiance et la rémunération qui m'ont poussé à choisir cette structure. J'ai la chance d'avoir un maître de stage très accessible. Donc je vois souvent, à chaque fois que j'ai une question par rapport à n'importe quel thème, il est disponible pour m'y répondre. Donc que ce soit sur l'aspect relationnel avec les clients ou sur l'aspect purement technique, il est disponible. Donc c'est une très très bonne chose. Bien, mon maître de stage est disponible à tout moment, donc c'est agréable de pouvoir compter sur lui si besoin. Ouais, ça se passe très très bien puisque bon, on se connaît depuis de nombreuses années. C'est le site en fait est de taille moyenne, donc on est 12. Et c'est vrai que le bureau de l'expert comptable n'est pas fermé, il est là pour nous former, répondre à nos questions si on en a sur les dossiers. Et ça se passe très très bien.